Mathieu, t'es où à 17h20? Je suis pas en direct, les gars. J'étais ici, je travaille. À 17h20. Jeudi dernier, l'espace jeune de Romba a accueilli une vingtaine de jeunes pour participer à un credo grandeur nature. Un meurtre et quatre suspects sont présents sur les lieux. Suspect numéro 1, Safia. Bah, je suis moi, je joue mon propre rôle de Safia, animatrice de l'espace jeune. Alors toi, t'étais où à 17h20? J'étais ici en train de disputer la femme de ménage parce qu'elle était encore en train de flâner à travers la vitre pour regarder le jardinier avec qui elle avait une liaison. Et moi, ça m'insupporte parce que son travail, c'est de faire le ménage et pas de tout le temps être par la fenêtre en train de regarder le jardinier. Suspect numéro 2, le musicien. Bah, j'étais à ma répète jusqu'à ce que j'ai fini à 17h30. Et donc ensuite, j'ai été ramener les clés de la salle et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le corps. Suspect numéro 3, la femme de ménage. Alors comme ça, vous bataillez un homme avec la jeune fille au salon, là, avec Sophia? Non. Safia? Safia. Elle est jalouse. Dégale. Et vous, non? Parce qu'elle veut la place de Moulin. Ouais. Et vous? Non. Et un petit faible pour les jardiniers, simplement, non. Ou quoi? Même rien pas. Du tout. On travaille juste, c'est tout. Ouais, on travaille. C'est tout, c'est des rumeurs. C'est Arnaud qui a lancé les rumeurs. Et enfin, suspect numéro 4, Moussa. T'as déjà eu une aventure avec la femme du village? Non, j'ai une aventure avec aucune. Pas de doute, ce grand jeu a séduit nos jeunes Sherlock grâce à une équipe d'animation dynamique et inventive. Ce soir, vous vous amusez bien? Oui. Alors, ça, d'habitude, vous venez ici ou pas? Oui. Ouais. Et ce soir, c'est un peu différent ou quoi? Comment vous voyez ça? Ah, c'est... Bah, c'est mieux. Bah, c'est mieux, ouais. Pourquoi? Parce que c'est un jeu géant. Voilà, c'est un gros truc, quoi. L'espace jeune continue dans l'originalité dès lundi. Retrouvez toute l'équipe d'animation pour un concours photo où il s'agira d'être pris en faisant une figure à l'aide d'un trampoline devant un bâtiment de la ville. Affaire à suivre.